Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons cuisiner sur une plancha Le Marquier, la plancha signature au gaz. Et je vais vous proposer une lotte rôtie au jambon de Bayonne et ses asperges accompagnées d'ail en chemise. Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de lotte, vous avez besoin de jambon de Bayonne, d'ail, d'asperges vertes, de sauge, d'un petit peu d'oignon nouveau et de salade. En l'occurrence, c'est de la sucrine. Première étape, vous allez préparer votre lotte. On va la découper et l'enrouler de jambon. Allez, je vous propose de passer à la deuxième étape de la recette, qui est la préparation des asperges. Pour cette recette, on n'utilisera que les pointes d'asperges. Allez, on continue dans notre recette et je vous propose de couper nos sucrines en quartiers. Nous allons débiter notre oignon. Dernière étape, nous allons écraser l'ail en prenant le soin de garder la peau pour éviter que l'ail brûle à la cuisson. Et voilà, tous vos ingrédients sont prêts pour réaliser votre recette. Allez, c'est parti pour la cuisson de notre plat sur la plancha signature. Regardez le design magnifique, ce duo inox et acier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est origine France garantie. Allez, on va déjà commencer à poser notre sucrine, un petit peu d'oignon. Ça, ça commence à sentir bon. On va juste mettre des herbes, juste poser comme ça. Donc l'avantage avec ces brûleurs inox, c'est que nous avons possibilité de faire deux cuissons, une à gauche, une à droite, avec des remises en température qui sont très très rapides. Je récupère une cloche, regardez. Et je vais faire cuire mes légumes juste à l'étouffer. Ça va faire comme un four. Cette plancha a été réalisée en collaboration avec les Peugeot Design Lab. Notre lotte est prête, il ne nous reste plus qu'à la servir et je vous souhaite un très très bon appétit.